Amis téléspectateurs de Mourchid TV, bonsoir. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Parlar. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir encore un jeune poète, Barandaw, dans son recueil de poèmes appelé La mémoire du diable. Un ouvrage très intéressant, le titre est très révélateur, les poèmes également très symboliques, très illustratifs. Nous allons peut-être donner l'occasion à notre reporter journaliste le soin de nous présenter notre invité et ce sera tout de suite, Inch'Allah. Né le 13 avril 1996 dans le département de Malim Odar, précisément au village de Niahen, ou case somptueuse qu'il voudrait ancrer dans l'histoire, Bara est actuellement étudiant à l'université Charanta Diop de Dakar. Depuis l'école primaire, il taquine les muses. Non pour s'amuser, il écrit pour crier et dénoncer, révèle-t-il. Sa poésie, peut-on avancer, est fonctionnelle, utilitaire. Même si elle n'est pas dénuée du lyrisme qui suscite l'émotion du lecteur, elle est essentiellement tournée vers la sensibilisation en faveur de l'éducation à la vie familiale, EVF, et de tout ce qui garantit l'équilibre dans l'espace scolaire, mais aussi contre ce qui peut entraver l'épanouissement de la jeunesse, nuire à sa santé physique et morale. Ainsi prévient-il contre les méfaits du tabac, de la drogue et des infections sexuellement transmissibles. Il décrit le viol et l'excision en militant écologiste, mais en garde contre les feux de brousse, prônant la préservation de l'environnement. Il n'est donc pas étonnant que notre jeune poète soit lauréat de plusieurs concours organisés à l'intention des élèves et des étudiants, à l'instar du concours Histoire d'école qu'il remporte en 2013 et le concours Je suis jeune, j'ai mon mot à dire, initié par l'ONG RAE Sénégal en 2015. Voilà, mesdames et messieurs, la présentation de notre invité Barandaw. Barandaw nous revient avec La mémoire du diable, c'est votre premier recueil, véritablement qui a été édité par des livres. Je pense que justement, c'est votre premier ouvrage. Hein? Oui, c'est mon premier ouvrage. Mais avant tout cela, permettez-moi de vous remercier de m'avoir associé à cette tribune des réflexions littéraires, votre émission Parlar, qui est une émission très suivie au Sénégal et partout ailleurs. Donc, également remercier nos chers téléspectateurs de la chaîne des valeurs, Mourchid TV. Voilà, Bara, vous venez en tout cas d'entrer dans la danse, comme on dit. Vous êtes jeune, mais vous avez quand même pris votre courage des deux mains et vous voulez quand même vous intéresser dans ce grand, vaste monde de la littérature. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans le domaine? Bon, en réalité, ce qui m'a le plus inspiré dans ce domaine, c'est parce que j'ai été un féru de la littérature, même lorsque j'étais en classe de CM2, hein, depuis l'école primaire. Mais au début, c'était juste une passion qu'on essayait de nourrir, quoi. Mais par la suite, lorsque j'ai eu l'occasion de fréquenter aussi une très grande bibliothèque où je fréquentais souvent, j'ai vu énormément de gens qui m'ont inspiré par rapport à cette littérature très vaste. Et je me suis dit maintenant, pourquoi ne pas me lancer dans l'aventure? Donc c'est ainsi que le choix est fait. Mais au début, ce n'était pas une volonté de publier quelque chose ou bien d'être connu, mais c'était juste une passion. Et j'ai été lauréat, comme on l'a dit tout à l'heure, de beaucoup de concours. Et un jour, j'ai rencontré aussi un éminent écrivain donc, qui a écrit Morcel contre enquête, donc Mohamed El Daoud, donc à l'occasion de la francophonie, qui m'a dit un mot qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit que vous serez un très bon écrivain. En ce moment, je n'avais rien écrit. C'était juste que je lui faisais part de mes passions donc, et de mes penchants littéraires. Mais alors, en réalité, il a envoyé donc, une autre chose. En tout cas, un grand littéraire. Un grand littéraire. Mais Ibarra, vous êtes jeune. Vous avez quand même voulu vous exprimer dans le domaine littéraire. Et d'emblée, vous entrez dans La mémoire du diable. Voilà. La mémoire du diable, quand même, c'est un titre très révélateur. Hein? Mais votre jeune âge, quand même, vous inspire à entrer d'abord dans la danse en passant par La mémoire du diable. Qu'est-ce qui ont été les motivations de ce recueil-là? Bon, La mémoire du diable est en fait, comme j'ai l'habitude de le dire, donc est le fruit
donc de mes écrits, donc que ce soit au niveau du collège, que ce soit au niveau du lycée. Donc j'ai pu faire un constat global donc de tout ce que la société africaine en général et particulièrement donc celle sénégalaise en train de vivre. Et je voulais en un moment donné donc être la voix des sans voix, montrer aux gens que malgré je n'ai pas les moyens de vous accompagner dans cela, mais j'ai ma plume que j'utiliserai comme un épée, donc à la manière, n'est-ce pas, de Jean-Paul Sartre, pour pouvoir au moins donc dénoncer certaines injustices, dénoncer les maux, n'est-ce pas, dont souffre donc ma société. Donc la mémoire du diable et nos errements, nos errances et le désir également de s'interroger permanemment sur les questions donc, qui nous interpellent et d'apporter aussi des solutions idoines pour l'éradication donc, de certains phénomènes. Votre plume comme une épée nous plonge un peu dans le... En tout cas, dans l'univers du premier poème, la plume divine. Vous pensez que la plume, vous exprimez à travers ce poème vos motivations. J'écris. Hein, quand bon, j'écris, c'est parce que mon peuple crie, oui. À l'image de l'enfer dont Satan est fier. Quand oui. J'écris, je dénonce mon peuple meurtri par des vers cachant plus que des mystères. Le poète parodie des saints, le poète paradis de demain, se vit dans leur vie pour que son peuple rie. En fait, c'est un style que j'ai adopté, le style de l'engagement. Parce que l'engagement dépend de l'auteur, dépend également des contextes sociaux. Donc moi, je me suis pris... comme un poète qui s'engage pour sa société. Parce que on se souvient dans Cahier du retour au pays natal où M. César disait « Je viendrai à ce pays mien que j'embrasserai sans crainte. Si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai car ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affichent au cas du désespoir. » Nous également, nous avons choisi la poésie comme un moyen d'expression, pas des sentiments seulement, mais aussi de dénoncer donc, les injustices donc, sociales. Donc c'est d'accord. Pourquoi j'ai démarré avec donc, la plume divine, parce que le poète donc, a une mission divine. Le poète est un guide qui est chargé, n'est-ce pas, de montrer la voie à son peuple, frappé de cécité, acquise ou innée, comme le dit l'autre. Vous parlez de poésie divine, de plume divine, vous parlez également d'engagement. Mm-hmm. Vous pensez que donc, tous les gens engagés seraient quand même porteurs de mission, c'est-à-dire que il n'est pas donné à n'importe qui d'être engagé. Et quand on s'engage, c'est parce que notre plume est guidée par un ordre suprasensible. Oui, effectivement, mais peut-être ça dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a des écrivains qui ont choisi l'engagement. Mais quand vous vous référez, comme par exemple, à Jean-Paul Sartre dans son ouvrage intitulé « Qu'est-ce que la littérature ?», ça veut dire que chacun a sa manière de s'engager. Nous, nous avons préféré être donc près de notre société, de voir, d'analyser, de conceptualiser donc ce qu'elle est en train de vivre cette société et essayer de les transcrire à travers des pages pour que ces gens-là puissent s'interroger, puissent se remettre en question et choisir, n'est-ce pas, la meilleure des voies pour pouvoir prospérer. Donc c'est ça en réalité ce qui m'a poussé à axer un peu mes écrits sur cet engagement poétique-là. Oui, engagement poétique, vous êtes jeune mais clairement vous avez beaucoup d'ambition. Vous parlez d'Afrique, le second titre de votre poème c'est l'Afrique mère, le mal du pâle, ainsi que bien d'autres poèmes qui parlent de l'Afrique du Ménégal. Votre cadre n'est pas restreint, vous ne parlez pas de votre environnement restreint, vous ne parlez même pas du Sénégal mais c'est l'Afrique. La mémoire du diable vous pousse jusqu'à quand même avoir des ambitions qui vont au-delà un peu de l'aspect continental. Ok, permettez-moi de revenir un peu pour expliquer un fait. Parce que tout à l'heure, vous évoquez le fait que je suis jeune. Donc, comme le disait Gorder, la grandeur d'un homme ne se mesure pas de par sa taille, ni de par son poids, mais par son intelligence. Et moi, j'analyse donc l'intelligence au sens philosophique du terme, c'est-à-dire la capacité du détour, la capacité d'analyse, de trouver une chose initiale, d'essayer de la transformer pour qu'elle soit rentable à tous. C'est ce que nous avons préféré à travers, n'est-ce pas, la poésie. Je vais vous donner également un autre exemple, comme par exemple Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud a eu à écrire la quasi-totalité de ses œuvres à l'âge de 15 ans jusqu'à 19 ans. Et il a écrit à l'âge de 16 ans, donc, de Le Dormeur du Duval. C'est un poème très consommé. Donc, pour dire en réalité que malgré notre état de petitesse, malgré notre bas âge, mais nous devons nous engager notamment pour notre société, parce que l'écriture est en fait quelque chose de naturel en moi. J'écris, je ne sais pas pourquoi même j'écris, mais en réalité, donc, nous fréquentons donc, un ami invisible qu'on appelle l'imagination qui nous dicte des choses à faire. Mais au-delà, n'est-ce pas, de ce dictat, nous avons également choisi
donc de faire une poésie engagée au service, n'est-ce pas, de notre peuple. Vous parlez d'Arthur Rimbaud qui dit effectivement qu'on n'est pas sérieux quand on a 15 ans ou 16 ans, mais vous, vous êtes très sérieux, vous avez des ambitions quand même, très nombreux, vous parlez de l'Afrique mère, mais vous semblez penser que l'Afrique quand même vit dans un cauchemar. Parce que vous parlez de rêves quand même, vous dites qu'en fait vous vous plaignez un peu de ça. Plutôt, en fait, même avec le poème Le Mal du Bal, vous évoquez cela. Quelle est votre vision quand même? J'ai une vision en fait panafricaine. Hein. Mm-hmm. Je suis panafricaniste, donc je défends ces valeurs-là. Je pense que aucun pays du monde, surtout particulièrement l'Afrique, ne doit vivre en autarcie. Donc l'Afrique doit être unie donc, pour des lendemains donc, meilleurs. C'est pourquoi j'ai écrit ce poème-là pour l'Afrique. Parce que parlant du Sénégal, le Sénégal n'est qu'une entité africaine en réalité. Donc c'est une partie de l'Afrique. Mais l'Afrique regorge beaucoup de potentialités. L'Afrique à elle seule peut se développer, j'y crois. Et je pense qu'également, il y a d'autres qui nous suivent, qui croient à ce que je suis en train de dire. Pour dire en réalité que l'Afrique a vécu donc des siècles de colonisation, des siècles d'esclavage. Mais je pense que, comme le disait l'autre, le tigre n'a pas besoin de proclamer sa tigritude, mais il doit sauter sur sa proie et la dévorer. Donc c'est en ce sens que je dis que l'Afrique, ça veut dire, les Africains ne doivent pas se victimiser davantage, mais l'Africain doit réfléchir sur comment développer, n'est-ce pas, comment développer son continent. C'est en réalité l'aspect d'engagement que je veux montrer à travers ce poème. Parce que j'ai rendu aussi hommage à certains de nos vaillants guerriers qui ont péri dans les champs de bataille. J'ai rendu hommage à Nelson Mandela, Nelson Rolihlahla Mandela, donc, qui est donc défenseur de l'apartheid. Donc j'ai rendu hommage également à Cheikhanta Diop. J'ai aussi rendu hommage à Nelson Mandela et d'autres gens qui ont pu contribuer à la marche donc de l'humanité et qui en réalité donc sont noirs. Pour dire en réalité que malgré notre statut de noir, il ne faut pas qu'on se victimise davantage, mais il faut qu'on se penche dans l'essentiel pour pouvoir au moins produire une chose pour l'humanité. Dans la Bara, j'ai lu également Niahen, mais j'ai envie de vous demander qui, en tant que jeune poète, c'est comme ça que je peux vous qualifier par rapport à votre âge, mais quand même, je sais qu'en réalité, votre ambition dépasse un peu votre âge, en tout cas, par rapport à quand on vous lit, véritablement, au sens là. Mais j'ai lu Niahen et j'ai envie de vous demander qui vous a inspiré, en tout cas, quels sont les grands auteurs, parce qu'on devient grand auteur souvent quand on est quand même dans un environnement très propice. Par exemple, beaucoup d'écrivains, même Victor Hugo, témoignaient que c'est parce qu'il a été fasciné par Chateaubriand, qui vous, en fait, qui sont les écrivains africains qui vous ont le plus marqué, parce que Niahen me renvoie plus ou moins à un poète quelque part, même le style d'écriture quand même renvoie à Senghor, je ne sais pas. Je vais vous raconter donc une anecdote pour cela, parce qu'un jour j'ai lu un ouvrage de Senghor, et donc qui est même l'instigateur de cette écriture, et je me suis dit, j'ai dit à un ami, pourquoi j'écris mieux que Senghor? Et l'ami s'est mis à rigoler. Mais en réalité, c'était une phrase qui sortait naturellement de moi. Donc pour dire en réalité que je m'inspire de Senghor, je m'inspire de Victor Hugo, comme vous le dites, je m'inspire de Arthur Rimbaud, ainsi que des autres poètes de la négritude. Donc parce qu'eux, au moins, ils ont eu à faire donc, des choses dans ce chemin-là de la littérature. Parce que dans le jargon de la littérature, nous avons beaucoup de poètes, nous avons beaucoup d'écrivains. Mais moi, personnellement, à travers le poème que j'ai intitulé Niahen, qui est le village où je suis né, que j'ai rendu hommage à travers des vers, mais je me suis inspiré profondément de Joal. De Joal, je me rappelle. Parce que j'ai lu Joal de Senghor, quand il dit Joal, je me rappelle, etc. Ouais. Il y a beaucoup d'anaphores dans votre... En fait, les anaphores qui peuplent la sphère de votre poème, Niahen, ça vraiment renvoie un peu à Senghor. Oui. Et que ça que nous a dit qu'en lisant le livre, on a pensé un peu à Senghor. Mais vous, quand vous parlez, vous évoquez les grands auteurs comme Arthur Rimbaud, Jean-Paul Sartre, etc. C'est des auteurs occidentaux. Je ne peux pas dire que vous devrez être un peu ethnocentriste au point de... Mais c'est à ce niveau que j'ai dit, au-delà de Senghor, parce que les grandes figures historiques, les grands penseurs de l'Afrique, vous leur avez rendu hommage à travers votre poème, le poème surtout l'Afrique et le Mal du Bal. Mais je dis maintenant par rapport à ces écrivains,
ces écrivains. Vous avez parlé de Césaire et bien d'autres écrivains engagés, puisque vous vous inscrivez dans cette dynamique. Qu'est-ce que, en fait, en lisant leur ouvrage, qu'est-ce que ça vous a inspiré véritablement à pouvoir quand même parler comme eux? Vous parlez de l'Afrique, vous prenez la côte de l'Afrique pour montrer comment on doit écrire et bien d'autres choses. Qu'est-ce que, comment, jusqu'à quel point ou à quel niveau un peu ces écrivains africains vous ont inspiré? D'accord. Bon, juste peut-être pour lever une équivoque en ce qui concerne, comme par exemple le fait que j'ai cité Jean-Paul Sartre et autres, c'était juste pour montrer leur engagement. Et leur engagement dépendait, n'est-ce pas, de leur époque. Moi, personnellement, je suis profondément ancré dans mes valeurs. Je suis profondément panafricaniste. Je défends ces causes-là. Donc, pour dire, Senghor m'a beaucoup inspiré parce que c'est quelqu'un au moins qui a eu à écrire, n'est-ce pas, des poèmes. Quand je les lis, je m'y sens en réalité, parce qu'il est noir comme moi, il a eu de presque la même, il a eu même la même histoire que moi. Donc pareillement pour Aimé Césaire et autres. Donc je m'y vois dans ce qu'il écrit. Donc raison pour laquelle j'ai voulu suivre leur chemin. Mais ce n'est pas aussi la même démarche que j'ai employée dans mes poèmes. Parce que dans certains poèmes, j'ai utilisé des styles propres à moi, des styles donc, qu'on ne voit pas souvent donc, dans, au niveau des écrivains. Parce que aussi dans l'art, il faut toujours donc, innover, démarquer, mais aussi tout en restant donc, fidèle donc, à votre ligne d'écriture. Vous avez votre style à vous et nous allons peut-être témoigner un peu de cela avec maintenant les deux autres poèmes qui viennent et que... dans ces poèmes-là, nous avons senti que vous prenez également la cause de la jeunesse, d'une manière générale. En tout cas, la femme, mais la jeunesse, d'une manière générale. Vous parlez d'excision, vous parlez de lettres en violeur, vous parlez également de talibé. Autant donc de poèmes qui montrent effectivement que vous êtes défenseur un peu des droits et des devoirs quand même de ces jeunes-là. Mais permettez-nous donc d'écouter un peu quelques-uns de ces poèmes qui seront quelque part déclamés par certains élèves du lycée Ahmed Sy Malik qui est à côté. Vous me permettez de lire? Oui, d'accord. Voilà, d'accord. Mais, mesdames et messieurs, nous allons donc suivre ces jeunes élèves qui ont bien voulu interpréter quelques textes donc, de ce recueil de Barandao, La mémoire du diable. Ce sera tout de suite, Inch'Allah. La plume divine. Quand j'écris, c'est parce que mon peuple crie à l'image de l'enfer dont Satan est fier. Quand j'écris, je dénonce mon peuple meurtri par des vers, cachant plus que des mystères. Le poète parodie des saints, le poète parodie de demain. Je vis dans leur vie pour que mon peuple rie. Ô peuple, peuple des ignorants, mes parents m'ont privé des droits. En m'exigeant à l'âge de 12 ans, mes parents m'ont plongé dans le désarroi. Club EVF, temple du savoir. Ô Club EVF, chaque jour tu m'arroges. Sur ton ombre je me loge, par ta sève je me nourris, de ta lumière je grandis. T'intégrer c'est éveiller ses performances, t'aimer acquérir des connaissances. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de suivre quelques poèmes qui ont été interprétés par certains élèves de façon vraiment très passionnante. Bara, on revient avec justement cette cause-là que vous défendez et qui concerne un peu la jeune génération, la jeunesse humaine en général. Vous nous parlez d'excision, c'est des souvenirs douloureux. C'est vrai que on a tendance un peu, parce qu'on a tellement sensibilisé qu'on a tendance à changer un peu de cap. Vraiment, ça devient de plus en plus une pratique révolue. Plus ou moins, mais vous pensez, vous rappelez un peu de ça. Vous pensez, vous parlez également des violeurs. Ce poème-là m'a beaucoup marqué de la façon. Oui, c'est comme si quand même vous avez été plus ou moins témoin d'une telle situation. Vous décrivez en tout cas ces événements-là. Vous parlez de la jeunesse comme si vous y sentiez brutalement et que vous avez été témoin de certaines choses. Oui. Merci. C'est une question que j'aime bien. Du fait que j'ai été membre du club EVF, donc club d'éducation à la vie familiale, qui a été créé par le GEP, le groupe pour l'étude et l'enseignement pour la population, depuis 1994, et qui existe dans la quasi-totalité donc, des écoles, que ce soit donc, au niveau du collège et du lycée. Donc ce qui explique en fait les causes sociales que je suis en train de défendre, telles que l'excision, telles que le viol, entre autres, c'est juste le fait que j'appartenais à cette entité donc, du club EVF, où j'ai été donc, le coordinateur, n'est-ce pas, des LEA, des leaders et des animateurs, au niveau de Malem Oda,
Donc après avoir eu mon BFM, je suis venu à Dakar où j'ai été au lycée des Pasteurs Assainis. Encore, les JAP m'avaient encore assigné la lourde tâche de pouvoir encore diriger, n'est-ce pas, les LEA, les leaders élèves animateurs. Et en, donc, dans ce sens, donc, tous les poèmes qui tournent, n'est-ce pas, autour du recueil, donc surtout concernant la seconde partie, tournent exclusivement, n'est-ce pas, sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Parce qu'actuellement, nous sommes confrontés à une jeunesse pas du tout très informés, qui sont sous le joug, n'est-ce pas, des médias, qui sont sous le joug également de l'assimilation et autres. Donc, en cet effet, nous, nous avons choisi donc, de sensibiliser nos pères par rapport à ces phénomènes-là, par rapport à l'excision, par rapport au viol. Ce qui fait aussi la particularité de ces poèmes que j'ai écrits, parce que moi, j'ai un peu un caractère naturaliste. Parce que quand j'écris un poème, je vais me ressourcer davantage. Pour l'excision, j'ai eu donc, des témoignages donc, émanant d'une jeune fille qui a était victime, n'est-ce pas, de cette pratique malsaine que j'ai dit. Donc, et de ce fait, ça m'a un peu mis dans mes états de pouvoir l'écrire. Je l'ai écrit vers 4h du matin parce que lorsque la fille, je l'avais enregistrée sur mon portable, elle me disait des choses énormes. Je ne pouvais même pas y croire. Donc, vers 4h du matin, l'inspiration, l'ami invisible est venu me rendre visite pour me dicter au moins donc de faire quelque chose, n'est-ce pas, pour cette dame-là. L'ami invisible, c'est Calliope ou vous n'êtes pas tellement mythologique dans ce sens-là? Bon, je ne suis pas tellement mythologique, mais en réalité, je sais que cette inspiration est un ami invisible qui est venu me rendre visite et qui m'a dicté et qui m'a conseillé d'écrire à la manière dont je suis en train de le faire. Et elle s'est vue dans ce poème parce que lorsqu'elle a lu, elle s'est mise à pleurer, elle s'est soulagée. Et donc, c'est ce qui, en réalité, montre en fait donc, l'impact de cette poésie-là. Donc l'excision est une pratique qui est toujours pratiquée au Sénégal, surtout donc à l'intérieur, n'est-ce pas, du pays. Et c'est une pratique en fait qui regorge beaucoup de conséquences. Donc il y a beaucoup de conséquences qui émanent, n'est-ce pas, de cette pratique. Et nous, nous voudrions, en tant que poète, en tant que l'étiquette donc poétique, et au-delà de ça, en tant que citoyen, contribuer, n'est-ce pas, à l'éradication donc définitive, n'est-ce pas, de ce phénomène. D'où on a assorti, n'est-ce pas, un poème dans notre recueil de poèmes, donc la mémoire du diable, pour pouvoir au moins attester, n'est-ce pas, de l'ampleur de ce phénomène et aussi faire un cri de cœur ou bien lancer donc une alerte pour que cela sèche définitivement. Voilà, une information de qualité pour des prises de décision responsables. Oui. Véritablement, ça, c'est le credo donc, du GEP, des clubs. Nous avons été également coordinateurs PRT. Nous retrouvons un peu dans ça. Effectivement, je vous dis que la connaissance des lois ne précède jamais l'expérience. Vous avez évoqué ces histoires-là comme si vous étiez donc au témoin des faits, effectivement, le fait d'avoir été Léa. C'était la proximité. La proximité, voilà, et que la proximité crée des intimités. Au-delà maintenant de ce cadre maintenant de la jeunesse, vous semblez même quand même rendre hommage à vos, en tout cas sur le plan de la poésie, vos principaux inspirateurs, en tout cas ceux qui vont inspirer comme Césaire et Damas. Vous parlez également de Matar. Matar me rappelle également plus ou moins ce poème de l'on compte à Damas toujours, mais quand même qui parle de déracinement et que Matar qui devient Gérard par la force des choses. Il y a même une belle boutade d'un poète sénégalais qui dit que voici une terre dont les fécondes mamelles étaient riches de nombreuses valeurs culturelles, mais victime d'une crise identitaire perpétuelle, elle suce les seins d'une autre ère culturelle. Donc l'influence le déracinement, quand même, vous évoquez. Vous pensez que ce phénomène est toujours à l'ordre du jour? Oui, ce phénomène est toujours à l'ordre du jour parce que le poème Matar, c'est un poème très important qu'on ne cite pas souvent dans le cadre, n'est-ce pas, de mes interviews avec les télévisions et radios. Mais vous avez peut-être creusé au fond, n'est-ce pas, de ma poésie pour enfin donc déchiffrer le message qui se dissimule à travers ce poème. Donc Matar, en réalité, c'est un personnage imaginaire que j'ai choisi parce qu'il fallait faire la corrélation entre un Matar et un Gérard. C'est d'où est venue l'idée pour que je puisse écrire. Donc Matar, c'est quelqu'un qui a eu à être au Sénégal et qui par la suite a quitté le pays pour rejoindre d'autres cieux, pour aller donc en Occident. Par la suite, il s'est complètement métamorphosé à cause, n'est-ce pas, du serpent blanc qui lui jeta donc un venin d'aliénation. Donc Matar s'était complètement aliéné. Matar finalement a renié sa tradition. Et une fois revenu au pays, donc il ne pouvait pas. Oui, il est devenu Gérard. Il ne pouvait même pas comprendre ce que les gens faisaient. Il était toujours donc
antagoniste par rapport à ce qui se faisait dans la société. À l'image du renégat, donc. C'est en quelque sorte donc, le renégat donc, qui est là, qui aujourd'hui, même il s'est perdu dans la foule. Marat s'est perdu dans la foule parce que la foule, j'ai matérialisé un peu dans ce monde africain où tout est traditionnel et lui il a préféré épouser n'est-ce pas des valeurs occidentales. Donc par la suite Matar s'est perdu dans la foule, ne pouvant plus se voir. Matar était complètement perdu, même en se regardant dans un miroir il ne pouvait pas se voir parce qu'en réalité il avait perdu le fil n'est-ce pas de la tradition. Donc c'est ce qui en réalité va lui faire un être hybride parce qu'il ne pourra pas savoir à quel sens se voir. Et véritablement il est perdu, égaré comme vous l'avez vu. Donc c'est en réalité pour exhorter juste donc les jeunes que nous sommes, ça dit que c'est bien d'aller étudier ailleurs, mais gardons toujours nos valeurs, gardons toujours nos cultures parce que c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. D'accord, la culture c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Mais on va revenir avec l'écriture. Dans la main dansant, c'est quand même encore l'écriture qui revient. C'est comme si en fait l'écriture n'est pas que automatique. L'écriture est souvent guidée, orientée. On est d'abord inspiré, ensuite on écrit. Vous semblez en tout cas être préoccupé par ce phénomène. L'écriture, c'est quoi? Vous parlez de la plume du vide, vous parlez de la plume dansant. Et là, véritablement, j'aimerais quand même recueillir votre impression qu'on peut de l'écriture. Est-ce un don en soi? Oui, pour moi, je peux dire que l'écriture est un don. Parce que je peux automatiquement, si vous me donnez un terme, écrire ce que je sens. Parce que l'écriture, c'est de dire ce qu'on pense, c'est ce qu'on sent. Mais aussi à travers des mots qui vont aussi atteindre la sensibilité. Ça dépend aussi des écrivains. Il y a des gens qui écrivent donc d'une autre manière. Mais moi, en ce qui concerne mon écriture, c'est une écriture qui est automatique. Donc, je m'inspire. Des réalités sociales, je m'inscris, n'est-ce pas, du vécu quotidien. Mais à chaque fois, comme par exemple le poème même que vous avez parlé, la main dansante. Donc c'est un point très important que j'ai écrit même en classe. Lorsque je faisais la terminale, le prof d'économie donc nous avait laissé donc, souffler 5 minutes donc, pour aller acheter sa tasse de thé. Mais en revenant, il m'a trouvé en train d'écrire. Et toute la classe s'était mise à bavarder. Et il s'est approché de moi pour me dire, mais non, tu fais quoi? Il dit que je suis en train de nourrir mon art. Et ce mot, il avait un peu pris goût et il a pris le poème qu'il a lu, qu'il a déclamé donc, dans toute la classe. Et les gens se mettaient à applaudir. Et je me suis dit, pourquoi ne pas insérer même ce poème qui est à la fois donc, des souvenirs donc, dans ce recueil-là. Pour dire en réalité qu'à chaque fois, on essaie d'écrire. Nous n'avons pas beaucoup de talent. Parce que nous sommes jeunes et nous commençons juste ce métier. Nous avons juste des gens qui nous encadrent, qui nous expliquent en fait quels sont les préceptes de l'écriture, comment écrire. Toujours, j'avais des professeurs qui me critiquaient, comme Barangay, qui est docteur en philosophie, qui est au niveau, n'est-ce pas, du lycée des Parcelles à Séni, qui me disaient souvent, Bara, moi ce que je ne peux pas admettre de vous, c'est que vous noyez votre lecteur dans un fleuve de mystères. D'images et de mystères, de symboles et de paroles. C'est ça la poésie. Effectivement. La poésie suggère. Effectivement. Donc, il m'avait dit de rabaisser un peu le niveau pour que les gens puissent comprendre ce que je veux dire. Parce que, comme par exemple, un des poèmes, Souvenirs, que j'ai écrit dans le recueil, il y a des gens qui lisent cela, mais qui ne comprennent pas en réalité donc, ce que je veux dire. Donc, pour dire en réalité aussi que le poème, s'il est écrit, doit être déchiffré par vos lecteurs et les lecteurs doivent aussi donc appréhender vraisemblablement donc le message qui se cache donc derrière ces vers pour pouvoir au moins donc l'utiliser dans le quotidien. Oui, votre expérience des clubs EVF du JEP vous a beaucoup marqué. En témoigne un peu les poèmes comme Sida, Salubrité, parce que c'est des thèmes. Nous savons qu'également l'une des missions premières également de du GEP et de ces clubs EVF là, c'est quand même la santé de la reproduction, une sensibilisation également par rapport. D'ailleurs, même je me rappelle qu'au lycée Maïssal, nous avions eu à cumuler le club EVF du club SOPSIDA. Parce qu'il y avait également le club SOPSIDA, parce que nous avions également la même mission. Vous avez très élevé deux points au SIDA. Vous parlez également de la salubrité à l'école, etc.
autant de thèmes qui montrent effectivement, qui nous plongent dans vos souvenirs, okay. si on peut s'exprimer. Oui, d'abord, avant de venir à cette relation donc, vivace, cette relation tant nourrie donc, avec le club d'éducation à la vie familiale, dont je suis toujours superviseur au niveau du lycée des Parthenacénies, et dont je suis toujours invité aussi pour faire, n'est-ce pas, des causeries au niveau des écoles du Sénégal. Donc, à cet effet, donc, pour vous montrer un peu ce que vous êtes en train de dire, ma relation avec le club horaire. Donc, c'est une relation qui date de très longtemps. Le poème sur la salubrité, comme par exemple, c'était un thème qui m'est été imposé. C'était un thème imposé, en fait, pour dire qu'il y avait un concours national donc, sur la RTS donc, qui portait. Études d'histoire d'école, une émission qui passe sur la RTS. Donc, lorsque j'avais voulu participer, j'ai envoyé donc un SMS pour dire que je voulais participer à ce concours. Mais finalement, j'avais oublié même la date butoir du concours. Et le jour même du concours, le gars m'a envoyé un message pour me dire « Mendao, on attend toujours votre production ». Et j'étais même en classe, je faisais donc des cours de mathématiques. J'étais très fort en mathématiques, mais j'y accordais pas trop d'importance. Raison pour laquelle je suis sorti autrement. J'ai dit à mon professeur, je vais sortir pour écrire un poème, donc à l'occasion d'un concours. Il m'a dit, allez-y, donc je vous libère. Donc je suis sorti une fois au jardin, j'ai vu en fait la saleté. Vous êtes inspiré de votre environnement. Je me suis inspiré carrément de mon entourage et j'ai écrit. Et on m'a dit que vous êtes lauréat de ce concours, j'ai été primé. Donc c'est ça en réalité, donc le poème Salubrité en vie scolaire. Mais comme par exemple le thème SIDA, le thème drogue comme tabac, etc., tous les thèmes. Oui. Parce que j'étais dans une école donc, où je voyais donc, une très grande différence entre mes pères et moi-même. Il y a des gens qui fumaient du tabac, des amis qui fumaient, des gens qui faisaient n'importe quoi. Et moi, ils aimaient aussi ce que je faisais, c'est-à-dire l'écriture que je faisais. Parce qu'il m'arrivait parfois d'être contacté par un ami pour me demander d'écrire sur tel poème pour lui. Et je le ferais donc gratuitement. Donc à cet effet, j'ai utilisé même cette plume pour pouvoir les sensibiliser. Donc à travers le poème, comme par exemple le tabac, la drogue en milieu scolaire et autres, toujours à l'occasion, comme par exemple des fausses cours, à l'occasion des grandes rencontres, donc je déclame ces poèmes-là. Et il y a beaucoup de gens qui donc s'y voient et qui sont satisfaits de cela. Il y a des gens même qui ont laissé ces pratiques-là pour pouvoir au moins se conformer donc à une voix beaucoup plus radieuse. Donc c'est ce qui est en relation parce que j'ai utilisé mon recueil comme donc une arme fatale pour pouvoir au moins donc détruire, n'est-ce pas, cette barrière donc lumineuse donc où les gens s'arc-boutent donc en un moment donné pour pouvoir au moins donc faire du n'importe quoi. Donc j'ai utilisé mes vers comme un moyen de pouvoir donc les sensibiliser donc pour que ces phénomènes-là ne se fassent pas, parce que l'école est un lieu d'éducation, l'école est un lieu d'acquisition de savoir et non donc un lieu de déperdition. Et auparavant on voyait comme par exemple par le biais n'est-ce pas, de la famille qui était considérée comme la cellule de base de la société. Comme disait Aristote, la famille était la cellule de base de la société. Mais à un moment donné, il y a un lien qui s'effrite entre la famille et ses composants. Raison pour laquelle d'autres vont sortir pour rejoindre d'autres espaces, comme par exemple l'école. Donc l'école, en réalité, doit être donc vecteur de bon comportement, vecteur, n'est-ce pas, d'une bonne éducation pour que les gens puissent au moins se conformer, n'est-ce pas, aux règles. Mais tout ceci n'est pas encore fait parce que, en réalité, d'après ce qu'on est en train de voir, l'école a raté sa vocation première. Comme le disait l'autre, on n'apprend rien aux élèves, mais on leur montre des circonstances auxquelles il faut apprendre. Mais les enseignements ne sont pas adéquats par rapport à nos vécus, poussant les autres aussi à imiter. Et je dis souvent, qui imite se limite. Et nous avons préféré imiter et se limiter. Donc pour un peu casser cette barrière-là, nous avons donc choisi de nous ancrer dans nos valeurs davantage et de pouvoir au moins donc être un guide, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour pouvoir dire à ces jeunes-là que nous sommes, parce que je suis un élément, n'est-ce pas, de cette jeunesse-là, mais leur dire qu'en tant que jeunes, nous devons vraiment avoir d'autres soucis de développer notre continent que d'être là pour des choses futiles au lieu des choses utiles. Parfaitement. Vous parlez de poésie, vous pensez que, en fait, vous dites que la poésie est une épée, une arme. Ça veut dire, la poésie chez vous est-elle plus un instrument qu'un ornement? Bon, pour moi, j'allie l'ornement et l'instrument. Parce que l'ornement, c'est pourquoi j'ai utilisé les vers. Les vers ne sont juste qu'un prétexte pour pouvoir parler d'une réalité. Maintenant, pour parler de cette réalité-là, il faut que les gens aussi
puisse avoir des sonorités, puisse avoir vraiment goût à les lire. Et une fois à les lire, donc cela donnerait donc une occasion de pouvoir au moins donc s'interroger permanemment. Comme par exemple sur le viol. J'ai utilisé de belles rimes, mais en réalité, j'ai utilisé aussi beaucoup d'interrogations. Pour que les gens aussi, au-delà de cette lecture, donc qui nous donne donc une sonorité, qui nous donne des choses, mais de pouvoir au moins se dire, ah, au-delà de ces sonorités, il y a des messages. Et ces messages donc doivent être appréhendés à sa juste valeur. Donc c'est en réalité donc, que j'ai allié l'ornement et aussi l'expression des sentiments à travers l'instrument. Et ça nous ramène à la banlieue. Oui. Voilà la banlieue toujours, hein. Oui. Ça revient. Donc je pense que l'environnement également, vous parlez de la banlieue, c'est comme si vous êtes issu un peu de ce milieu, vous évoquez un peu ce milieu, mais c'est comme si c'est un milieu également qui est assez révélateur. Bon, d'ailleurs, je vais revenir aussi avec votre parrain quelque part, celui qui a préféré préfacer votre œuvre, qui est un grand Marou Bafal, qui est un grand écrivain, qui parle également et qui connaît également ce milieu, qui réclame de ce milieu et qui nous fait livrer, surtout dans son dernier ouvrage qu'il a intitulé un peu Casseur de solitude. Ouais. Casseur de solitude, Casseur de solitude. Où vitalement, il fait même une comparaison entre les banlieues dakaroises et les banlieues africaines. En fait, occidentales. Mm-hmm. Plus ou moins. La banlieue représente quoi pour vous? Merci beaucoup. Donc aussi, avant de revenir sur cette question, j'aimerais remercier mon papa, que j'appelle affectueusement Marou Bafal, donc qui a eu à me préfacer, donc qui a eu aussi à m'encourager dans ce que j'étais en train de faire, donc dans cette écriture. Pas plus tard hier, on a été au téléphone, donc il m'a vraiment donné beaucoup de suggestions pour pouvoir m'améliorer donc dans cette écriture là. Donc pour dire, lui aussi c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup d'ouvrages, Satan et Dieu, La Collégienne, Pépite de Terre, donc comme vous l'avez dit, etc. Donc c'est quelqu'un qui est une référence pour moi, donc qui se trouvait au niveau de la banlieue. J'ai fait les démarches nécessaires pour pouvoir le rencontrer et discuter avec lui, et depuis lors il a noué des contacts vraiment extraordinaires avec moi. Et c'est ce qu'il a vu l'œuvre, je lui ai montré le projet que j'avais, un projet donc d'écrire un livre. Et il m'a dit vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je lui ai montré un peu les productions. Il s'est mis en 3 jours à me préfacer. Donc c'est ce qui explique en réalité qu'il adore ce que je suis en train de faire. Donc aussi pour le lien que j'ai avec la banlieue, je vis dans la banlieue. Parce que au moment où je suis venu dans la banlieue, j'ai noté que les faits probants était l'inondation, au-delà de la délinquance juvénile et autres. Et moi, j'ai traité de toutes ces questions-là. Parce que je m'inspire... Vous dites que banlieue en larmes. Banlieue en larmes. Larmes qui rime un peu avec l'eau, voilée d'inondation. Effectivement. Effectivement. Donc, j'ai fait alliance de ces mots-là pour pouvoir donc assortir tous les mots dont souffre la banlieue. Okay. Donc, pour montrer en réalité que les inondations aussi, les inondations étaient en fait un cri de cœur pour la banlieue et pour tout le Sénégal. Donc j'ai utilisé donc la banlieue à l'arme pour parler, comme par exemple des questions des inondations, pour parler de tous ces fléaux-là qui gangrènent donc la banlieue. Parce que je vois que en réalité, si on est dans un milieu, il faut, en tant que poète, donc jeter une analyse assez critique, une analyse assez profonde de ces phénomènes-là, essayer de voir en tant que poète de statut comment faire pour pouvoir au moins, à travers la plume, faire de telle sorte que les gens puissent, même au-delà de ces aspirations culturelles, politiques et autres, faire de telle sorte que la banlieue sente votre production. Donc c'est ça en réalité qui m'a poussé à écrire donc La Banlieue en larmes, qui est un poème aussi très aimé de beaucoup de gens. Voilà, donc nous sommes au terme de notre émission, mais on aimerait encore entendre quelques poèmes qui ont été également interprétés par des élèves. D'accord. Avant de venir avec le dernier poème, À mon cœur. On reviendra vous voir. Est-ce que vous parlez de façon hyperbolique, symbolique, comme on vous reproche souvent? Voilà, donc nous allons suivre quelques poèmes, ensuite revenir pour terminer en beauté. Mesdames et messieurs, nous allons encore entendre quelques élèves nous interpréter quelques poèmes du recueil de La mémoire du diable de Barandon. Ce sera tout de suite, Inch'Allah. Le sida, hier. J'étais dans l'océan du bonheur que je croyais éternel. Je vivais des moments plus que solennels. Et aujourd'hui alors, le médecin a trouvé en moi
le mal qui plonge dans l'incertitude, un mal qui risque de me paralyser tout le reste de ma vie. À mon cœur, je vois la femme qui le soleil contemple, je vois la femme qui, en de simples prières, plonge ses fils dans l'air de la lumière avec un comique style devant exemple, celle qui ne siffle jamais sur nos têtes. Tout le long du jour, sur les rues, tu erres. Ô mon Dieu, prends pitié de sa longue misère. Je ne reconnais pas son uniforme, marque de détresse. Je le reconnais avec son visage plein de tristesse. Toujours pour à la main, il m'en dit. Et il n'en serait pas mieux vêtu. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons d'entendre encore des élèves qui interprètent avec beaucoup de passion vos poèmes. Ils se sentent dedans. Donc, ils aiment vos poèmes parce que vous êtes jeunes, vous leur parlez. Justement, nous allons maintenant terminer avec À mon cœur. Quand tu vois le titre, on a l'impression que vous êtes peut-être plus ou moins enfant de cœur et que vous parlez d'amour, vous parlez de votre bien-aimé. Mais je pense que les choses se révèlent autres. Effectivement. Voilà. Donc, c'est un poème que j'aime bien parce que c'est un poème où je parle de mon cœur. Donc ce cœur, c'est ma mère en réalité. Il y a des gens qui l'interprètent autrement pour dire que c'est une bien-aimée à la manière de Lamartine et autres. Mais j'ai écrit pour ma mère parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui me soutient dans ce que je fais. Et en réalité, il n'a pas fait des études poussées, mais au moins, il partage donc mes ambitions littéraires. Donc, si je suis là dans ce plateau, c'est grâce à elle. Elle a tout fait pour moi. Elle m'a encadré, elle m'a encouragé et elle me soutient toujours. Et j'ai un lien, un contact permanent avec elle. Donc, ce qui même, je vais vous raconter une anecdote parce qu'il s'est arrivé un jour où elle m'a appelé au téléphone pour me dire que j'ai fait un rêve. Donc, c'est de ce rêve-là que jaillit, n'est-ce pas, ce recueil de poèmes. Parce qu'il m'a dit, j'ai rêvé un jour de te suivre à la télé en train de parler de ton livre. Mais je ne sais pas le contenu du livre, je ne sais pas le nom du livre. J'ai dit, mais maman, en réalité, moi, je n'ai pas songé donc écrire un livre. C'était bien avant que vous... C'était bien avant que je sorte. Donc, j'ai l'habitude de le répéter dans toutes les émissions où je passe. Donc, c'était ce rêve-là qui s'est réalisé naturellement. D'accord. Et le papa aussi m'a fait un jour un rêve parce que au début je m'aventurais à faire du rap. Comme j'étais tout au contact des mots, j'écrivais donc pour des groupes de rap, j'écrivais des pièces de théâtre et autres. Un jour il m'a appelé dans sa chambre pour me dire, mais Baba, est-ce que vous envisagez d'être rappeur ou bien vous envisagez d'être un très bon écrivain? Je lui ai dit que je vais en réfléchir. J'ai réfléchi, je lui ai dit, vraiment j'ai tout laissé, maintenant je veux devenir un bon écrivain. Okay. Et c'était en fait une sorte de boutade qu'on essayait de se balancer donc les uns des autres et qui en réalité est le fruit, n'est-ce pas, de ce recueil de poèmes que vous voyez. La mémoire du diable. La mémoire du diable. Parce qu'il me disait que je voudrais que vous deveniez donc des intellectuels éminents à l'image d'Abdou Latif Koulibaly. C'est son nom qu'il m'a répété souvent, Abdou Latif Koulibaly. Donc je me suis dit, mais qui est Abdou Latif Koulibaly? J'ai fait des recherches et j'ai vu. Mais lui, il était dans un autre domaine. Et je me suis rapproché des gens qui, en réalité, intègrent donc mon domaine et qui en font des choses donc fabuleuses. Raison pour laquelle je me suis approché de Marouval et d'autres, et des professeurs qui m'encadrent dans ce que j'ai en train de faire. Parce que l'écriture est une sorte de passion pour moi. Donc à travers mon écriture, j'espère rien y gagner. Juste peut-être d'être lu et d'être consommé. Voilà, vos ambitions par rapport à l'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages qui sont en gestation ou que, voilà, oui, qu'en est-il réellement de, voilà, de vos projets sur le plan littéraire? D'accord, merci beaucoup. Donc, j'ai un roman qui est déjà prêt et qui va être peut-être publié aux horizons 2018. Hein. Ça dépendra du staff. Ils sont en train de voir. Si cela est prêt, carrément, on va inch'Allah le publier. Et cette fois-ci, je lance un appel aux éditeurs sénégalais donc de pouvoir produire cet ouvrage. Parce qu'au début, entre le mal et le moindre mal, nous avons préféré le moindre mal. Le moindre mal, c'était d'être publié, n'est-ce pas, au niveau de l'étranger, donc exactement à Edit Livre en France. Mais maintenant, nous voulons donc que le roman soit édité au Sénégal. Parce que c'est un roman également qui... Parce que l'œuvre est en fait une sorte de trilogie. Le roman aborde presque dans le même sens. Mais comme j'étais trop éloquent, trop bavard à travers mes mots, je voulais, à travers des conseils, rétrécir, n'est-ce pas, certains poèmes, de les faire sortir
et aussi de me consacrer au roman. Comme le disait un professeur, Barak, tu seras mieux dans un roman que dans un poème. Donc c'est ce que je suis en train de matérialiser. J'ai un recueil aussi qui est déjà prêt encore, un recueil de poèmes qui est prêt. J'ai aussi un roman qui est prêt, Inch'Allah. Nous sommes en train de faire des corrections, de faire certains changements pour pouvoir au moins publier cela. Donc merci, nous sommes toujours dans l'écriture. Voilà, merci et on vous encourage. Okay, vitalement, à coup, en tout cas pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. La mémoire du diable, vous avez été très ambitieux, donc très audacieux pour entrer dans la mémoire du diable et nous livrer quelques informations en tant que leader élève animateur, en tant qu'aujourd'hui superviseur, hein, parce que vous avez une mission dans ce sens. Et par conséquent, comme votre credo, une information de qualité pour les prises de décision responsables. Merci en tout cas, Bara, et nous espérons vous revoir très bientôt pour d'autres ouvrages. Mesdames et messieurs, c'était tout aujourd'hui pour votre émission Par là. Et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. D'ici là, passez une bonne suite de programmes sur la chaîne des valeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Okay.